que tu fais? J'essaie de voler. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Quand je serai grande, j'aimerais être pilote d'hélicoptère. Il ne faut pas avoir peur de vivre ses rêves, mais les vivre sans hésiter. J'aimerais voler comme un oiseau. C'est pour ça que je vais être pilote d'hélicoptère, pour me sentir libre comme l'air, explorer de nouveaux horizons en faisant le tour du monde. Découvrir des choses que je n'ai jamais vues de mes propres yeux, ça serait génial. La Terre m'a toujours fascinée avec ses endroits paradisiaques. J'adore parler de tout ça. Merci de m'avoir invité. Je te promets, je vais rester toutes les nuits à côté de la cabane.
te promets de rester tous les jours à côté de la cabane pour dire qui rentre et qui ne rentre pas. Je te promets d'en sortir à 4 heures de quoi goûter et je vous promets à tous de faire au moins 3 fêtes et 2 nuits blanches par semaine. Donc tu fais tout en fait. Mais j'adore tout faire. Tout faire pour que ce soit bien, pour que ce soit parfait même. Si vous êtes heureux, moi, je le serai aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Reconstruire la cabane. Parce que j'ai envie. Pourquoi tu ne veux pas avec nous? Parce que j'y aille. Pourquoi tu ne viens pas dans la cabane? Mais quelle cabane? Il n'y a rien dans notre cabane. Avant, il passait tout son temps à rigoler, à s'amuser,
avec nous. Mais il a perdu son sourire d'un. On se demande bien ce qu'il a pu voir au fond pour changer autant. Mais pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse, toi? Tu devrais lui dire. Ça changerait peut-être quelque chose. Et puis il paraît que c'est de moins en moins facile de te t'aimer en grandissant. Jupiter? J'ai cherché mon chat partout. J'ai crié « Jupiter !» pendant 27 jours. Mais je ne le trouvais pas. Et tout à l'heure, je l'ai aperçu au loin. Il dormait au bord du trou sans fond en haut de la colline. Alors j'étais si contente de le revoir que je me suis mise à courir en criant « Jupiter !» Et il a eu si peur qu'il a sursauté. Jupiter est tombé dans le trou. J'ai voulu retrouver Jupiter, alors je suis descendue au fond du trou sans fond. J'allais enfin percer le mystère du fameux trou sans fond. Je m'attendais à rencontrer un ermite, à ressortir de l'autre côté de la terre ou à atterrir dans une grotte, car c'est ce qu'on dit. Mais non, il n'y avait rien, juste le fond d'un trou. Ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong. Ding ding dong.
À votre avis, est-ce qu'on peut faire du feu avec des feuilles mortes? Elle s'est envolée. Thank you.
cabane. Pour qu'elle prenne toute la forêt même, qu'elle la dépasse. Pour que le monde entier soit notre cabane. En fait, j'aurais dit tant que ça applaudit, on fait des allers-retours, mais du coup, faut arrêter parce que c'est bon. Bon, venez. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là aussi nombreux. L'année se clôture ainsi, avec ce spectacle. J'ai passé un an dans le collège Césaria Évora. Ça a été magnifique. Ça a été magnifique comme ça, en fait. De remise en question, de plein de choses et tout. Et je voulais en tout cas vous féliciter, vous, 11, pour cette rencontre et du progrès que vous avez fait immense par rapport au début de l'année. Et je souhaite que vous apportiez un cœur de ça. Donc je dis aux parents, hein. Je dis aux parents qu'ils continuent le théâtre, s'il vous plaît, parce qu'il y a des graines qui ont été semées, ça serait bien que ça puisse encore fleurir et refleurir.